Selon toi, cela dit, si vous en avez acheté une, ben forcément vous allez dire que la vôtre est mieux que celle qu'on n'avait pas. C'est logique. Mais réfléchissez bien. Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a une console qui est meilleure que les autres? La Wii U. La Wii U par exemple est une très bonne console, ok. Mais la Wii U, elle a des bons jeux, c'est vrai. Elle a de très bons jeux. Mais elle a pas tous les jeux. Et tous les jeux sont excellents. Qui sont excellents, qui ne sont pas sur Switch. C'est pourquoi il faut être compréhensible et essayer de comprendre le plus possible. Et si tu arrêtes de regarder le monde en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, et tu regardes le monde en fonction de ce qu'il est vraiment, tu t'apercevras que ta vie sera beaucoup plus paisible également. Parce que souvent, notre humain a tendance à dire « je préfère, donc c'est mieux » et « j'aime pas, donc c'est nul ». Ça se résume. Ça se résume à ça plutôt. Mais en réalité, non. En réalité, il y a plein de choses qui sont bien qu'on n'aime pas. Des choses qu'on aime bien qui sont pas forcément chouettes, tu vois. Donc, avant de dire c'est nul, essaie de connaître, essaie de comprendre. Logiquement, s'ils ont la même puissance, c'est pas nul, tu vois. Après, il y aura peut-être des jeux qui vont sortir. Ensemble, je pense que là,
console qui sort, exemple, une autre console que Nintendo, par exemple, sort un truc de malade, ben, il y en a qui vont dire elle est nulle, d'autres qui vont dire elle est chouette. Mais ni l'un ni l'autre l'ont testé. Donc testez-la à votre goût. Et puis regardez-la comme elle est vraiment, la console. Tu vois, si c'est une console qui a pas de puissance, mais qui a un bon jeu, est-ce que ça fait d'elle une bonne console? Imagine que la PS4 ou la PS5 a plein de défauts, mais elle a un bon jeu. Est-ce que ça fait pour autant une bonne console ou pas? Faut être curieux de se poser plein de questions. Donc pour résumer, PS4 ou PS5, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu préfères. Parce qu'on a tous des préférences et on a le droit d'avoir des préférences. Donc dans les commentaires, dis-moi laquelle tu préfères et pourquoi. Pourquoi tu la préfères par rapport à l'autre? D'accord? Ça peut être intéressant de voir pourquoi tu la préfères. Parce que peut-être que tu vas la préférer pour quelque chose que quelqu'un ne l'aime pas pour la même chose que toi. Donc ça peut être intéressant de tout découvrir ensemble. Donc n'hésite pas dans les commentaires de faire ça. Alors pour ma part, je n'ai eu qu'une Xbox quand j'étais jeune et après je suis allé sur PC. PC, voilà. Donc il y en a qui vont dire PC, bon PC c'est pas comparable, c'est puissant, etc. C'est un petit peu comme une console que tu fais avec toi-même. Mais le débat n'est pas là. Je sais pas, moi j'ai... Là, pour moi-même, je vais vous dire un truc un peu bête. Peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de moi, il y a des chances. Mais je préfère, je préfère la Xbox 360 à la Xbox One. Voilà, peut-être qu'il y en aura qui seront du même avis que moi. Mais je trouve qu'il y a des jeux vraiment légendaires qu'on a retrouvés sur la 3.6, comme Gears of War 3, Call of Duty, pas mal de Call of d'ailleurs. Et je trouve que maintenant, ils sont bien aussi les jeux, mais ça n'a pas le même charme. Du coup, après, ouais, ça c'est mon...